On raconte qu'il viendrait d'une autre galaxie, qu'il aurait les pouvoirs de Gandalf le Gris. Comme Wolverine, une armure de fer, il serait peut-être Jedi, aurait son propre sabre laser. Son histoire est un vrai conte fantastique. Des playoffs, il joue comme le magnifique. Une chose est sûre, c'est qu'il a un pouvoir magique. L'avez-vous vu jouer? Il patine bien trop vite. Yeah! Yeah! Stalbot, c'est un super-héros. Plus tough que Chuck Norris, plus tough que Rambo. Adulé par des millions de fans. Pas mal plus hot que Spider-Man. Sur la coupe Stanley, on a gravé le nom de Max Talbot, le guerrier. Il est prêt à tout pour gagner la coupe. Slasher le patin à Pavel Datsouk. Il mesure pas, il pèse pas 220 livres, pis il mesure pas 6 pieds 4. Il est gros comme une crotte, mais il a pas peur de se battre. Moi je le trouve meilleur qu'Alexander Ovechkin. Il a plus de couilles que les joueurs de la Caroline. Des annonces de char, il se prend pour Jerry Lewis. Avec sa barbe de playoff, il a l'air d'un terroriste. Mais la coupe, il l'a pas volée. Il a scoré 2 goals, pis ils l'ont gagné. Le petit guerrier de Saint-Bruno s'est même affronté Dan Churchillo. Stalbot, c'est un super-héros. Plus tough que Rambo. Adulé par des millions de fans. Et pas mal plus hot que Spider-Man. Sa coupe Stanley, on a gravé le nom de Max Talbot, le guerrier. Roberto Pissonnette, mesdames et messieurs, le meilleur chansonnier au monde.